Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Madame Dolorès Bélanger-Rochon. Nous aurons aussi une pensée spéciale pour le recteur Claude Groulx, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. La liturgie de ce matin nous invite à nous laisser habiter par l'esprit de sagesse et à accueillir le règne de Dieu déjà présent parmi nous. Disposons-nous d'abord à accueillir le pardon du Père. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif et irrésistible, bienfait, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers, où si rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime pas que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Ta fidélité demeure d'âge en âge,
La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue, tes décisions me soit en aide. Ta parole, Seigneur, demeure Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand viendra le règne de Dieu? Où trouver le Fils de l'homme lors de sa venue? Quand? Où? Ce sont là les éternelles questions de l'homme face au dessein de Dieu. D'instinct, nous voudrions situer les réalités de Dieu dans l'espace et le temps, en espérant les maîtriser. Et les réponses de Jésus nous renvoient toutes aux réalités de la foi qui sont hors du temps et de l'espace. En ce qui concerne le temps, le moment, les délais, Jésus est clair. Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable que l'on pourrait prévoir, programmer, fixer d'avance dans l'avenir, comme on le fait pour les prévisions de la météo
ou pour une future ligne de métro. Ce n'est pas un projet de l'homme, mais un don de Dieu, car ce règne de Dieu est déjà présent, déjà offert, déjà proposé. Il est parmi nous. Et déjà, il vient de nous atteindre à travers la présence et l'action de Jésus au milieu de nous. De même pour le lieu du Fils de l'homme lors de son jour. Ce jour marquera la fin des temps, mais on ne pourra pas désigner d'avance un lieu au Fils de l'homme. Tout comme l'éclair, présent partout au même instant, abolit toutes les distances. Le Fils de l'homme, par son avènement immédiat, imprévisible, effacera toute distance entre ici et là. Il ne faudra le chercher nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de chacun, chacune de nous, et l'accueillir par la foi dans l'ici que le Seigneur aura choisi et le maintenant qui sera éternel. Jésus ne nous laisse finalement que deux repères, l'un dans son temps à lui et l'autre dans notre temps. Dans le temps de Jésus, tout s'ordonne autour de sa passion glorieuse. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par sa génération. Et dans notre temps, le temps de l'Église et de la mission, la seule urgence est de saisir le règne de Dieu qui est à notre portée, qui est parmi nous, partout où le Christ est à l'œuvre. Les paroles de Jésus sur l'espace et le temps nous aident à situer notre espérance. Nous n'avons aucun pouvoir, aucune emprise directe sur l'avenir, sur les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jamais nous ne pourrons dire, comme certains groupes tentent de le faire, de prédire la fin du monde. C'est cette date-là que Dieu viendra. C'est à ce moment-là qu'il fera en nous la lumière. Nous n'avons aucune certitude quant au lieu humain d'où nous viendra le salut. Mais Jésus nous rassure. On vous dira, il est là-bas ou il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. Jésus nous invite à la confiance. Le règne de Dieu est déjà parmi nous. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de nous ouvrir et de faire bon accueil personnellement et communautairement au règne de Dieu que Jésus fait advenir ici et maintenant au milieu de nous. Quand nous vivons authentiquement le présent, quand nous nous laissons rejoindre par l'amour de Dieu et du prochain, nous contribuons par nos vies à faire advenir le règne de Dieu parmi nous. Pour y arriver, demandons l'esprit de sagesse dont nous parle la première lecture. Cette sagesse qui traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Oui, demandons à Saint Joseph et à Saint Frère André de nous aider à acquérir cette sagesse de Dieu. Alors nous saurons que le règne de Dieu est vraiment au milieu de nous. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Christian, ses évêques auxiliaires Thomas et Alain, notre frère recteur Claude et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père et que nous devons nous tourner vers lui en toute confiance. Redisons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à ton Église, à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de sagesse vous habite et vous aide à découvrir le royaume de Dieu présent parmi nous. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à tous et à toutes, bonne journée.